Ça fait peut-être pas loin d'une demi-heure que je l'entends. Mais bon, faut pas être partout. Et 73-51 à tous. 14 km, 33-01. Rémi, Dandy 33. Oui, bonjour. Écoute-nous, l'horaire du département 47. La côte atlantique, mon ami. Pareil aujourd'hui. À gauche, le web SDR, à droite, le poste. Et là, on entend quelqu'un. Tout va bien, et encore une bonne propagation aujourd'hui. Je t'entends très très bien, j'y vais avec les choses sous 13. J'étais pour te saluer, te souhaiter un bon vendredi, puis un bon week-end, voilà. J'espère que ça passe pour toi. Ouais, c'est pas trop gros point, alors, c'est bon, c'est pour moins 14, je crois, chez eux. Ça a bugué. Bon, je reviens. Ah, je sais, ça peut être acrobatique. Alors, 8 degrés de mon côté. Breakover. Oui, 14h40. Donc lui, 8h40. Breakover. Toujours le même club. Qu'emmerde le monde. Attention, 9 bravo Charlie, 555 pour 14 km, 33-01, Dandy 33, Rémi qui t'appelle. Là, si hier c'était de mon côté, là, qu'il y avait des. Enfin, que la propag me retournait les casse-pieds, pour rester poli. Aujourd'hui, la propag a décidé autrement, que ce serait lui qui les aurait. Tout ça parce qu'un groupe a décrété que maintenant ce serait leur fréquence habituelle et que c'était aux autres déjà en place et bien de dégager. Attention, 9 bravo Charlie, 555 pour 14 km, 33-01 Rémi.
Eh bien, c'est pas gagné. Bom dia, aqui, 10h43, com o Butantan, Zona Oeste da Segunda Região do Brasil, com a capital. Bom dia, então, já tem. Attention 9, bravo Charlie 555 pour 14 km 3301. Il faut pas croire que c'est devenu votre fréquence attitrée maintenant, hein. C'est dans vos rêves. Hein. Attention 9, bravo Charlie 555 Gilles pour 14 km 3301 Rémi. Je m'entends même pas de Web SDR en fait. Essaye sur le Web SDR. 1, 2. Ah si, ça passe. Ouais, c'est QRP mais ça passe. Essaye. Ouf. C'est pas gagné. Bon, on va aller aux infos. Salut Gilles, je suis derrière la porte sur le 625. Apparemment, ça passe pas. D'après ce que j'ai entendu, là, aujourd'hui, c'est toi qui les as, là, les perturbateurs. Toujours les mêmes, quoi. Bon, on verra bien. J'ai lancé là, toute une série d'appels, mais bon, ça... Bon, je m'entends pas vraiment dans le Web SDR, ou juste à peine. Un peu QRP, beaucoup QRP, même. Et chez toi, ça n'a pas l'air de passer du tout, là, avec les autres. Attention 9, bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 Rémi. Bon. Il y a trois QSO. Trois QSO. Le QSO journalier depuis une bonne dizaine d'années du groupe des Tannants, plus deux QSO parasites d'un autre groupe qui s'est installé là. Bon, du coup, je suis obligé de baisser le Web SDR parce que là. Breakover pour Dandy 33. Operando em transmitido base do Tocantins,
Breakover pour Dundee 33. Cadê o 94? Cadê você, estação Delta, Delta Bravo? Cadê você? A coabitação é pas évidente. Break pour Dundee 33. C'est Christian que j'ai entendu là. Wow, c'était QRP. Oh, il doit être sur directive. Break pour Amy. Break pour Rémi. Ouais, d'un seul coup, ça passe.
Ok, les 73-51, tout le monde. Eh ben bordel, c'est coton aujourd'hui pour arriver à passer. Je dis pas ça à cause des reprises de micro, mais déjà, la propague était pas du tout favorable de mon côté, parce que j'ai quand même lancé pas mal d'appels. Là, bien, ça fait bien, oh, bien 20 minutes. Oh oui, peut-être, ouais, ça fait bien 20 minutes là que je lance des appels. Et puis là, paf, d'un coup, ça passe. Les 73-51, le petit renard, les 73-51, Gilles, et André aussi, qui doit pas être loin derrière aussi, que j'ai entendu aussi tout à l'heure. Retour, Christian. Rémi, merci, retour micro. Oui, il faut lancer la pelle et la pioche, comme ça, ça passe le mieux. Ça traverse. Ah oui, 20 minutes que tu appelles. Hein. Non, moi, j'arrive à entendre, en même temps, je t'avais pas entendu. J'arrive de l'extérieur, là, je fais une marche d'une heure, là. Il y a des vents de nord vif, là, glacial, hein, pour, ouais. Bon, mais c'est bon, hein, c'est bon. Pour moi, ce matin 2 degrés, maintenant on est à 3 degrés. Hein. Alors, tu vois, Gilles, on est en positif, plus. Bon, voilà. Tu avais mis en arrière, Gilles, si tu as écouté, Gilles. Retourne le micro, Gilles. Oui, merci du micro, Christian. Ben, monsieur, ça fait que, hein, quand on a affaire sur la radio, qui est déjà pas par loin, soit dans le Suisse, surtout dans le plus 10, et plus, nous, on est toujours dans le négatif, peut-être, pour le mois de janvier, c'est sûr qu'on est dans le négatif, fait que ça fait un gros changement, quand on dit que vous pouvez couper le gazon, ici, il n'y en a pas de gazon, là. Juste un petit moment, Christian et Rémi, on a fait des risques qui sont mis de côté, là, 14 FTX 070, c'est des risques, avec votre permission, on va le faire rentrer dans le CSO. C'est des risques, retourne même tout. En tout cas, 51. Vous avez pu voir qu'il faut insister, il faut être persévérant. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas 10 fois, et puis la 11e fois, ça va passer. Salut. Oui, qui est ça, oui, comme tu dis, hein, 59.5 ici, là, puis c'est pas mal. Bonjour, bienvenue à Guadeloupe, il y a Philippe Canal qui parle de ça, merci. Les bons trucs que vous voulez, mon ami, et puis je vais faire un petit blague pour voir si j'ai une copie sur toi, 070. Les 73-51, Cédric, je t'ai eu en stéréo. Alors, je t'ai eu aussi bien du en direct que via le web SDR d'Ottawa. Donc, les 73-51, à toi, Cédric. Ok, je vais, je te réponds, mais il y a Cédric qui parle. Merci à vous. Ouais, je reprends Christian qui reprend pour saluer Cédric. Cédric, 60 ans, amitié à toi. Ah, famille, quand toi t'écoutes, ça se voit que c'est le week-end, vendredi, tout le monde débarque sur la radio, ça finit la semaine, Cédric, là. Et quand toi t'écoutes, j'espère que tu vas bien, voyons. Il y a aussi Christian, là, Guadeloupe, à TGV, là. 73, Christian, là, avec les amitiés, à toi, à la famille, content de t'écouter, ça fait plaisir que je t'écoute, là. T'arrives à passer par-dessus tout le monde, là. Il y a Gilles sur Division 9, le Québec, Cédric, le Nord de France, département 70, Rémi, département 33, ouais. Et moi-même, 33, Bordeaux.
Christian, qui est celle de Christian Guadeloupe TGV. Je te réponds à tout pour Christian. Il y a la Guadeloupe qui parle. Ah non, j'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Ah, ils s'entendent pas comme ça là. Oui, le super TGV, ça chachole bien pris là, tu imites bien le TGV. Allez, je crois que c'était ailleurs. Un autre QTH avec le fameux club perturbateur. Et non. Merci. Bien, alors, tout se passe bien de ton côté, c'est parfait, c'est la mérite. Moi aussi, tout va bien de mon côté. Voilà, avec les petits 3 degrés aujourd'hui. 73, bon week-end et au plaisir là. Voilà, et la bonne journée, Christian TGV, à bientôt. Allez, bon, mais il y a Michel aussi là, le voisin du 33. On va le saluer, 71, Michel, je te dis la bien aussi. Si tu as enverrassé aussi la division 9, le Québec, Michel, à toi, Nico. Les 73-51 TGV de Dandy 33. À toi, Gilles, pour Michel. À toi, Gilles, pour Michel. Écho. Perroquet. C'est une cacophonie. Ouais. T'entends Michel, toi, Rémi? Non, je bosse tout le week-end après, là, mais en journée, ce coup-ci. Oui, j'ai fini là avec Michel. Je te repasse le micro, Gilles. Voilà, sur le Québec, Gilles, tu repasses à Michel, là, qui a 10 km, 8 km de la maison. À toi, Gilles. Je te foire. Je vais en profiter pour un truc. Alors là, je m'attendais à plus de monde que ça. Là. C'est bien ce qui me semblait. Là, on voit bien de quel côté la propague. Puis quand on voit le signal et tout, comment ça monte. Alors ce matin, sur le 19, c'était la cacophonie. Et au milieu des stations francophones hein, que j'arrivais à entendre sur le canal 19, il y avait aussi beaucoup de moustaches FM et tout ça venant des pays de l'Est. C'était du coup, j'ai pas fait de petites vidéos comme j'ai fait hier. Si c'est pour montrer du cracra, c'est pas la peine. J'entends parler derrière, là, dans le voie SDR, je remonte vite.
ton micro, Cédric, bien content de t'écouter, bienvenue. J'espère que tu vas bien, sois santé à toi, la famille, voilà. Oui, effectivement, t'as entendu Christian La Guadeloupe, le TGV, là. Il cartonne, hein, tu l'as entendu, oui, j'y ai parlé, TGV aussi, avec très nombreux, c'est un peu... Voilà, c'est vrai que je n'avais pas reconnu sur le coup TGV, mais il est super. Le mec, il est mort. Il y a beaucoup de monde sur la fréquence. Il est excellent, quoi. Ouais, tu passes bien là, depuis ton département 70 là. Voilà, je vois que t'as entendu également Rémi là, qui est à côté, pas loin de chez moi aussi. Et puis il y a Michel aussi, Michel là. Et notre station là du coin, il balance 2 à 3 kilowatts alors. Il devrait se faire entendre. On va lui passer le micro. Cédric, peut-être tu vas l'entendre. Et puis Rémi, et j'espère que Gilles aussi là, du Québec là. Allez Michel, crache dans le micro, oui, oui. Alors, là, c'est là quand c'est comme ça qu'il est intéressant de jouer comme il faut du clarifieur. Ouais, voilà, c'est là qu'il est intéressant de jouer du clarifieur pour, dans la meute, comme ça, sortir juste une personne. Oui, je fais le QSP, il t'a entendu, Gilles, mais il n'a pas entendu la fin. Oui, oui, c'est bien Michel, du 33, mon voisin, Gilles, exact, ouais, je vois que tu l'as entendu. Bon, ben oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein, TGV parlait la Guadeloupe, mais je ne parlais pas, Gilles, mais tu parlais, tout ça, forcément, ceci en Guadeloupe, tu n'écoutes pas, alors, il croit qu'il n'y a personne, et voilà, ça fait beaucoup de surmodulation, voilà. Et puis Cédric aussi n'écoute pas toujours forcément Christian Guadeloupe n'écoute pas, ça fait que voilà. Voilà, bon ben c'est Mike, Michel, Mike, Romeo, Victor, je ne me rappelle plus le numéro 53 je crois, si je m'abuse. Bon Michel tu reprends et puis tu repasses à Gilles pour voir si tu traverses, à toi Michel et puis Gilles il fera tourner, à toi Michel. Michel, te renvoie le micro, tu n'as pas entendu à toi, Gilles, il t'envoie les bonnes 73. Oui, oui, DSL, des fois on est de chaud derrière, puis j'appelle un petit peu pour faire certain. Ok, oui, il y a une note pour 14, Romain Victor, un gros du département pour Michel sur Bordeaux, là. Mais que vous pensez pour mourir, Michel, le Michel? Oui, oui, je ne sais pas bien. Son poste agile, il fait ça. Voilà, il a indiqué mon indicatif. Voilà, c'est lui qui fait ça. Je prends le micro parce qu'il y a Christian, mon voisin, qui nous monopolise. Ah, il ne peut pas placer une, Gilles. Il a toujours le micro du matin au soir. Voilà pourquoi on ne m'entend pas, Gilles, à toi. Ouais, bon ben oui, vous n'entendez pas, alors ça, il a comme antenne une Skylab, une vieille antenne verticale, mais avec 60 watts, avec un CRT 9900, voilà son équipement.
Et micro d'origine, voilà, il n'a pas beaucoup de watts, c'est pour ça qu'il ne peut pas... 60, pas beaucoup. Voilà, Gilles, a essayé beaucoup de monde sur la fréquence, voilà. Oui, l'indicatif, tu as oublié la lettre, c'est 14 Mike, M, Mike comme Maryse, le prénom, comme tu vois. Mike, Romeo, Victor, le chiffre, c'est bon. Voilà, M, R, V, Mike, Romeo, Victor, qui est-ce, Gilles, à toi. Oui, qui est-ce, merci beaucoup. C'est corrigé, mon ami. Mike Romeo Victor pour Michel du département 33 sur Porto. 73-51, Michel. De 9, bravo, Charlie 555, sur le Québec. Une pour rotation que je viens de parler avec, là, juste sur Porto, là, dans l'espace de 10 minutes. Voilà, 196 Guadeloupe. Je vais voir Christian, la TGV, t'es derrière. Ça a baissé du côté de TGV, du côté de la Guadeloupe. Michel, tu as de quoi noter, si vous voulez, l'indicatif ACDX, c'est 14 FDXF, vote D, Delta XV, département 7070, voilà, FDX. Tu es seul, Michel, c'est bon pour toi? C'est une cacophonie, c'est reparti, là. Le 70, c'est le nord de France, je ne sais pas exactement là. La ville où tu es là, Cédric, on va lui demander pour Michel, la ville où tu es là, Cédric, à toi. Vesoul. Alors la Guadeloupe, le Québec, les départements français. Il y a eu la réunion aussi, là, tout à l'heure, avant la vidéo. Le Brésil aussi. Oh, ça fait du monde sur la fréquence. Ouais, d'accord, ok, pour la ville d'hôtel, là. Oui, à 50 km de Vesoul, Vesoul, Michel, voilà. Oui, l'indicatif, c'était correct, je vais passer à Michel, oui. C'est vrai que ça disait la Michel tout à l'heure, c'est passé plus fort. Hein. Ça a baissé, mais bon, il arrive à s'entendre un petit peu au fond de la marmite, Michel. Voilà. Bon, on va passer à Rémi, là, Rémi qui est là en 33, là. Ça devrait passer, Michel, parce que lui, il est, c'est le plus près, là, à toi, Rémi. Salut, Michel, j'ai le mobile. Oui, j'ai le mobile, 73, gazou, gazou.
45-72, tu t'en vas à la physiothérapie, je suis prêt à toi et à la famille. Ouais, mais avec un peu de ces autres, là, vous avez. Ça marche toujours bien, le mobile, Gilles. Ouais, c'est très bien. Bonne route, bonne physiothérapie. Bon rétablissement à toi, bon week-end, peut-être plus tard, là. Sur la fréquence, on est là. À toi, Rémi. Ok, merci pour le retour de micro. Les 73-51, tout le monde. Puisque là, du coup, il y a pas mal de monde qui est arrivé d'un coup. Et de 14 km 33-01 Rémy, voilà sur le sud-ouest France, le département de la Gironde également, à côté de Saint-Émilion pour ma part. Donc si j'entends pas toujours très bien, faut pas chercher plus loin pourquoi. Alors le département 70, je l'ai entendu, oui, mais c'était assez QRP hein, de mon côté. Hein. Et le Brésil qui repasse. Alors, on comprend, des fois il n'entend pas bien, ça dépend le niveau qu'il a pris dans la bouteille de 7 millions, bien évidemment. À Chicago. Ouais, mais il y avait Gilles aussi, tu vois, Gilles en mobile qui passait là de mon côté. Voilà, est-ce que tu dois connaître Gilles là, bravo Charlie 555, c'était Gilles. Gazou, 45-72, tu connais Gilles bravo Charlie à toi. Oui, QSL, ben oui, que je connais dans mon ami Gilles, Kézo, 45-72, si tu veux, avec ta permission. Voyons, Christian, si tu peux lui passer tous les bons chiffres, 73-51, de ma part de l'ensemble du groupe. QSL, Christian? Hey, QSL, Gilles, maman Charlie, voilà. Oui, Gilles, Gazou, 45-72, je te fais part, transmettre les amitiés de l'ami Gilles qui te connaît là. Bravo Charlie, 555, voilà. Et puis de Cédric, département 78, le nord de France. Rémi dans le 33, et Michel dans le 33, et moi-même le 33, la Gironde. Voilà, QSL, Gazou, 45-72, Gilles, à toi. Merci Christian, le jour. Alors oui, je le connais très bien, Gilles, quant à moi, et puis on transmettra les mêmes choses. Là. Mais je m'en vais pas en physiothérapie, là. Je m'en vais voir un autre coordinateur à 50 km chez moi, et puis on va t'inviter à nouveau à toi, Christian. Oui, oui, tu vas faire physiothérapie, même si tu vas voir, je pense un pote à toi, parce que j'étais sur mon billet. Tu vas voir un copain, passer l'après-midi, te faire payer un café, c'est ça, Gilles, Gazou. Oui, c'est ça. Ah, écoute, il fait froid ce matin, c'est glacial. Oui, t'as raison, ok. Moins 14. Un café, un bon petit gâteau, un peu des poils de la chaleur pour voilà, passer un bon après-midi, là, chaud. Ouais. Bon, mais ici aussi, c'est frais quand même, 2 degrés, 2-3. Du vent de nord qui est très très froid, voilà. Bon, ok, que tu aimes pas, vous connaissez bien. À Gilles, là, bravo Charlie, Gilles. Ça y est, c'est fait. Voilà, ok, Gilles, bravo Charlie, à toi. Tout le monde, c'est le début du week-end, alors forcément. Tout le monde est en radio, il fait froid, on est au chaud comme ça. Voilà, je voulais saluer Gilles Gazou, 45-72, là. Je transmets les amitiés, si t'as pas entendu, Gilles, c'est en mobile, Gazou, là, de Claude, du département 59, du Hauts-de-France, qui est celle, Gilles Gazou. Ouais, je te dis Claude, là, écoute, je l'entends, là, le message, Gilles. Je te dis Claude, ici, ça y est. Salut, Gilles, bon après-midi, bon café. A bientôt, bon, mais Claude, il te salue, t'entends. Ainsi que Gilles, monsieur la division 9, là, voilà, bravo Charlie, à toi. Dans les amitiés de Claude, Gilles, bravo Charlie, t'as entendu Claude du 59, à toi. Oui, c'est une station qui a envoyé des 73 à notre émission, c'est au Gazou, là. Oui, Claude, 73-51, FDX-590, département 59. Alors j'ai un message là, disant que la propague est en train de s'effondrer. Eh ben je sais pas dans quelle grotte il est,
Mais il ferait bien de regarder un peu. Je suis curieux de voir sur l'installation. C'est toujours là, Gilles, Gazou Gazou, tu veux reprendre pour le Pézo pour parler avec Claude. À toi, Gazou Gazou. Il en a quitté. Il est allé boire le café chez son pote, voilà, Gazou Gazou. Bon, allez, Cédric, soigne-lui, c'est toujours là, t'as qu'à reprendre, tu envoies Rémi après. Affirmatif, c'est très très QRP de mon côté, hein. Mais bon, j'ai réussi à te sortir quand même, justement au moment où ça a été assez calme. Là, ça a été super. En tout cas, je sais pas à quelle température il fait de ton côté, Cédric, mais là, moi ici, là au QRA, j'ai 8 degrés. Et j'ai entendu Gilles tout à l'heure dire moins 14 chez lui. Eh bien, là, ça commence à ressembler à des températures du Québec, là. Allez, encore bien 15 degrés de moins. Et puis, ça sera vraiment des températures québécoises qu'il aura là-bas chez lui, quoi. Enfin bon, en tout cas, 8 degrés pour chez moi. Temps gris, là, au niveau de... Tout à l'heure, j'ai eu un peu de soleil, mais bon, c'est principalement du temps gris, là, que j'ai, là. Retour, Cédric. Et le Brésil qui me... Alors là, je peux pas faire grand chose pour le sortir. Là. Ah, je suis complètement surmodulé par le Brésil. Là. Bon, c'est pareil, comme toi Rémi, j'entends plus Cédric. Je sais qu'il parle, mais voilà. Ouais, pareil. Allez, voilà. Il a dû se caler sur Gilles comme cela. Thank you.
beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre Pontilly, c'est toi, puis bon pourcentage 51, et puis bonne propagation aussi de la département à ce 77 Jean-Pierre sur Paris. Si t'entends Christian Gazou-Gazou, Jean-Pierre ici du département 77 Paris, envoie les 73 à Gazou-Gazou Christian Coutel. Oui, Christian, j'ai le mec Gazou-Gazou, il a quitté le mobile et ses enfants sont là, ils boivent le café, oui. Si je rentre dedans, j'oublierai pas, je t'en mettrai les amitiés de Jean-Pierre, le département 77, et je le salue. Jean-Pierre, 73, à toi au curat de l'opérateur Christian, je suis de Bordeaux, 14 novembre, Victor 152. Christian, est-ce que tu écoutes Jean-Pierre, est-ce que c'est qui est celle? C'est ça, Jean-Pierre, du côté de Bordeaux, c'est ça, je confirme. Salut Jean-Pierre, à mon tour, il est toujours derrière. Merci beaucoup Jean-Pierre. Et tous mes vœux, surtout la bonne santé à toi, à la famille. Portez-vous bien, au plaisir, ouais. De se entendre, c'est déjà contacté, d'accord, plusieurs fois. Le 14 novembre, Victor 1549 Christian. Et bon week-end Jean-Pierre, au plaisir. Oui, il y a beaucoup de monde là. C'est surchargé, c'est le week-end, et bon week-end Jean-Pierre. Allez Michel, tu me reparles un petit peu pour voir si tu traverses Michel à toi. Ah, c'est pas sûr, oui. Je savais pas que j'ai monté énorme depuis Rennes, et puis bon, ça s'est calmé, il y a moins de stations, mais là encore un petit peu moins, mais bon, c'est pas très zéro, hein. Voilà. Alors, pour ceux qui m'entendent, les points 73, je vais rester en stand-by, comme je le disais tout à l'heure. De moi-même, Michel, 14 maintenant au 8h, 133, à 10 km de chez Christian. Voilà, donc on aura l'occasion pour le moment de se recontacter dans de meilleures conditions, je l'espère. Les micros de retour... Oh ben, c'est bonnes les conditions. À ceux qui voient la micro. À toi, Rémi. Ok, les 73-51 retournés, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais là, les conditions sont quand même pas mal, hein. Puisque il y a le Brésil, tout à l'heure j'ai entendu la Réunion, la Guadeloupe, le Québec, quelques départements français, là, les conditions sont quand même pas mal, elles sont pas mal cuirou. Bon, ça fait trop longtemps là qu'on n'a pas entendu Gilles, je vais faire un retour de micro sur lui, à toi Gilles. On a des bons réseaux comme ça, et puis que la propagation est vraiment ouverte là, à ce niveau, parce qu'il y a quand même 5-6, presque toujours 5-6 réseaux sur la fréquence, et puis ça tient toujours. Alors, je retourne le micro à Cédric, lui, il fait tourner la pastille, Cédric. Il y a plus de monde que sur le 555.
salut André, Alpha Lima 001, là, près de Montréal, bien content de t'écouter. Bienvenue, j'espère que tu vas bien, hein, content à toi, la famille, bien sûr. De Christian, 14 novembre, Victor 1549. Donc tu te salues, voilà André, ouais, cher André. Je salue l'âme Cédric des 70, là, qui t'en va. 73, Cédric, amitié à toi, la famille, bien content de t'avoir écouté. Bon week-end et au plaisir, à bientôt, Cédric, merci beaucoup. Allez, André, on te passe le micro à toi. Ok, ben j'avais des trucs à faire à cogner, justement, sorry. Donc là, je suis de retour, et puis, ben, salut Cédric, ouais, je voulais t'agacer un peu. Il salue tout le monde, puis il me fait du pas bien, tu sais, il faut pas me saluer. Puis il était absent de la fréquence, alors j'en profite de saluer tout le monde, Christian, puis là, je sais pas à qui tout revient. Alors, je ressens tes mains de Gilles, où est-ce qu'on en est avec tout ça. Moi, j'arrive ici comme un cheveu sur la soupe. Voilà, alors, à toi, Gilles, le micro. Tu les passes bien? Merci beaucoup, André. Ben, regarde, je te le vois pas, parce que t'as tout quand tu étais à profondeur que tu écoutes. Il y avait un ton petit drapeau qui avait une petite soixantaine, et puis qui n'était pas, pas disponible. Alors, Rémi, tu as eu ton micro avec André Gilles. Hey, merci. Il m'arrive comme un... Comment tu dis déjà un trou... Non, c'est pas un troupeau, c'est un paquet de briques. Oui, je crois que c'est ça. Je sais plus. Il m'arrive... Enfin bon, bref, il m'arrive costaud. Les 73-51 André, voilà, de Dundee 33, 14 km 33-01, à côté de Saint-Émilion. Ça arrive comme une seule brique, Rémi. Voilà, toi, André. C'est ça. Rémi, Rémi, tu reçois le micro. Oui, oui, c'est ça. Ça a juste ton nom. Oui, c'est ça, Rémi. Une tonne de briques. Christian de Manchet. Tonne de briques. Oui, c'est ça. J'arrive que je suis comme une tonne de briques. Attention, parce qu'une brique, tu le bords de la gueule, ça fait mal. Ok, Rémi, ben. Ah oui, là, si en plus de ça, je suis en train de faire une vidéo, tu pourras voir ça dedans, c'est vraiment le cas de le dire. Hein. Au début, je croyais que c'était un troupeau d'élan, mais non, c'est une tonne de briques. Hachis trois coups. Bon, en tout cas, bon, bah, toujours les mêmes conditions de travail hein, pour moi. Hein. C'est là, ça change pas. Et oui, comme je t'ai mis en message perso, je suis dans une cuvette. Hein, j'ai une colline là qui fait les trois quarts du tour là de Cuira. Et de toute façon, oui, quand la propague est là, de toute façon, ça passe quand même. Et mon meilleur angle est pour tirer droit avec la verticale, hachis, eh bien, c'est justement l'ouest. Et là, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que bon ben j'attrape les États-Unis plein pot forcément, le Québec tout ça là c'est génial. Par contre de l'autre côté ben les stations locales qui sont du côté nord-ouest, est, sud-est, là j'en entends aucun parce que bon ben voilà je suis complètement caché. Alors niveau altitude, je suis à 50 mètres d'altitude et la colline qui fait le tour de chez moi, ça fait 90 mètres d'altitude. Autant dire que ça me fait un sacré paravent. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, si tu t'entends dans le petit tuto, oh my god, j'ai hâte de voir ça. Et ben oui, écoute, ben c'est de plus en plus, hein, on dirait qu'il y a une monde qui s'installe. Comme Cédric fait ça, il enregistre des bouts de plateau et puis là, ben, il y a toi. J'ai bien hâte de m'écouter via ta station. J'ai hâte de voir comment j'arrive chez toi. Parce que, ben, on est tous les deux dans la même situation, dans le fond d'une cuvette. Ma cuvette est ben, sûrement plus grande que la tienne. Parce que la façon de quoi que tu vas expliquer que tu étais dans le fond de la cuvette, c'est vraiment tout petit, oui. Hein. Qui est entouré de je sais pas si c'est des montagnes ou des bâtisses, en tout cas, c'est vraiment des cuvettes. Moi, j'étais une cuvette, mais sur quelques kilomètres, hein. Et puis,
comme mouvement pour voir le village voisin. Faut que je monte à 225 pieds, je ne sais pas comment ça fait de mètres, ça. 100 pieds, 2 fois 100 pieds, puis 220, j'ai mesuré de mon drone déjà. Quand je commence à voir le village voisin, là, ben, je suis à 225 pieds. Puis tout le tour, ben, c'est des arbres, des arbres, des arbres. Voilà. Ok, Rémi, retour de micro, Rémi. Ok, merci pour le retour de micro. Alors, ça fait 68 mètres. Voilà, exactement. J'ai vite fait le calcul là sur Google. 68 mètres. Alors, tu vois, par exemple, pour te donner une idée, côté sud, par exemple, j'ai la route qui arrive à la même hauteur que les radiants de l'antenne. C'est voilà que côté sud, par exemple, voilà comment ça arrive. Bon, après côté est, nord, nord-est. Alors là, c'est même pas la peine. Je suis même plus bas que les arbres. Voilà, en gros, ce que ça donne. Alors côté ouest, là, par contre, ça va. J'ai un dégagement suffisant. On va dire que la route arrive à peu près à la hauteur des fenêtres de Cuira. Donc tu vois, avec l'antenne est à 9 mètres de haut. Bon, ça va, je passe juste au-dessus, ça va très bien pour moi. Voilà, retour André. Bon, ben ça, ça veut dire que pour les communications locales, c'est dans la merde. Pour toi et moi, il n'y a pas de problème, ça va sortir. C'est difficile. Et puis, ouais. Eh ben, c'est le contraire d'être dessus d'une montagne, comme plusieurs d'ailleurs. Ok, ben là, Rémi, avec ta permission, je vais redonner ça à Gilles, pour savoir où est-ce qu'on en est, là, Gilles, Christian, c'est ça, là, qu'est-ce qui arrive? On est juste 3-4, Gilles, le pas Nico. Ouais, plus que ça. Michel, ce que je pourrais me dire, c'est quoi ton initiative? Ah, je ne sais
1974, Mike Romeo Victor, 133. Mike Romeo Victor, 133. Après la micro. Ok, c'est important. Oui, parce que quand tu as donné ton initiative tout à l'heure, ben, il y a eu un creux dans ton signal, puis j'ai vu du village qui continue à transmettre. Non, c'est tant du sol. Il y a fait un QSO fantôme, hein. C'est juste pour lui, il va être déplaisant. Il est tout le temps là, my God. Il est patient, hein. Il achète du super des antennes pour lui, être une nuisance. C'est pas bien grave. On s'en calisse. Voilà, Michel. Ben oui, merci pour tes salutations. Et moi aussi, j'offre mes félicitations de ton côté. Ben, tous les trois, vous êtes plus ou moins à la même hauteur. OK? Je pense que le plus costaud de vous trois, c'est moi. Alors, je tourne le micro, Gilles 555. C'est où tout déjà, Gilles? Oui, je trouve en partie des alentours. Puis tu dis, le content qu'à Quatre, tu penses le rond-point, c'est le parc national de Oka, là. Bon, ben, tu comment tu appelles ça, là, parce que c'est qu'il y a eu la grossie, là, voyons, Sainte-Marthe-de-Lac. Ah, ok, Sainte-Marthe-de-Lac, Oka. Ça a été proche de la plage, là, que ça se promène à poil. Et maudit chanceux. Oh, l'occasion est très belle. Mais c'est pas là qu'il y a des naturistes? Ça, c'est fait. Dans l'ensemble du groupe des terres, à toi le micro pour le titre. Ah, c'est QRP, là. Je reviens. Il y a qu'un qui se plaignent de leurs conditions au niveau de leur station. Alors je l'ai deviné derrière, hein, c'était vraiment du très très QRP. Les 73-51, 14 km 33-01 Rémi, Dandy 33, sur le sud-ouest France, à côté de Saint-Émilion. Ouais, on le devine là, comme ça en direct. Je suis incapable de sortir quoi que ce soit là. Thank you.
important, je pense que parce que moi, là, j'ai un nez plus, je suis sur tous les bons cachés, merde et gros tout le temps. Et je crois que j'ai cru sentir ces portes près de mon antenne, là, l'intrus. Voilà, donc, ben écoute, Philippe, t'as vu, toi, c'est les tours de mesure, je pense, ben, entre le sud de la France, hein, et c'est ça, je disais, c'est toi qui es tout le temps en été, hein, ou pratiquement, t'as un hiver qui est assez doux par rapport au nord de la France, ou à Castellane, ou tout ça, ou même en Bretagne, et puis, même au Québec, aussi au Québec, présentement, ben là, il fait moins 10 présentement ici chez moi, et puis, ben, c'est vraiment l'hiver, ben là, c'est l'hiver qu'on connaît, avec des températures dites normales. Moi, ça ne tient pas plus long, parce que j'ai une liste d'endroits à faire, mon épouse, des courses ici et là, on l'a fait hier, mais c'est passé. Alors, je dois quitter, je vais vous laisser entre bonnes mains, Gilles va bien s'occuper de vous. Alors, c'est intéressant de participer à votre table ronde. Alors, Philippe, 60 ans. Ah, Audrey, il l'aime bien, Gilles. Gilles qui est là, ben, bien sûr, parce que je vais lui remettre ça, c'est Christian Pérémy. Alors, si toi, Rémi, ben, j'ai bien hâte de visionner et écouter ton vidéo. Et puis, on va mixer ça. OK, alors, Gilles, à toi les guides, moi, je vais passer chez toi, je dois y aller. Pas de problème, André. Je te passerai le lien. En direct. Il me passe un peu en direct, mais bon. Je suis en Bordeaux, Olivier. Moi, je suis Gaudon, mais on s'en est en même temps, département de Marseille.
Comment je suis au niveau du filtre? Je suis à 5. Ça augmente là de mon côté. La magie des ondes. Passe le webs d'ailleurs. Ah lui il se croit chez lui. Hein. C'est compliqué avec la surmodulation de mon côté. Oh, il est en train de répondre à quelqu'un. Ah, il y a des QTH perturbateurs. Hein. Oui.
faut jouer du clarifieur. Quand il y a de la surmodulation comme ça, il faut jouer du clarifieur pour juste localiser, attraper la personne qu'on veut. Ah. T'as de la chance, Gilles? Non, on les a ici. Ah, l'autre, il est trop QRP pour arriver à le sortir. Ok Christian, les 2351, malgré que tu as été complètement surmodulé par le Brésil. Et enfin bon, bref, ça se passe de commentaires. Les 7351, Christian, eh bien pour ma part, samedi, dimanche, je pourrais pas être en fréquence du tout. Je bosse en journée, donc pas de radio, je suis puni de radio tout le week-end. Ah si, retour sur Gilles. Écoutez, sans cesse de la musique, voilà, à toi, à la famille. C'est un plaisir, bon week-end, chacun de manière de même, on est venu la gâteau à nous, quand c'est soit nous.
Excusez-moi, Guilhem, bravo Charlie là. Je repasse à Gazou-Gazou et puis je vous écoute et je repasserai toi là. Gazou-Gazou, voilà, à toi Nico pour Il est là. Je rentre avec moi en rivière, voilà. C'est bon, t'as bien un bon café, ça fait du bien, ça t'a réchauffé. Et puis t'as mangé peut-être un bon gâteau, gazou-gazou, Gilles, à toi. Oui, c'est pas pour rien. Oui, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Toujours mobile, mobile, Gilles, gazou-gazou. Là, je suis à 7. Je suis à 7. Sur le DSP. Je suis redescendu à 5. Allez, bye bye, Gilles. Au plaisir. À toi, Gilles. Bravo, Charlie. Il est casse-pompe, lui. Ah oui, là, je t'entends super bien, Olivier. Salut, on est la chaîne, oui. Impeccable pour moi. Olivier, ça, ça fait, là, je suis prêt, là, les directives. Ouais, la rétro marche bien, ça a rien tourné. Ouais, moi, je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai 300 degrés. Tu l'étais, là, en tournant 73, bien que ça t'écoutait, là. Olivier, et puis bon week-end, bonne nuit, à toi, là, Olivier. Je te remercie beaucoup là, Olivier, c'est très gentil à toi là.
Ouais, le 14, j'avais pris ton indicatif, j'ai Roméo Charlie, 126 là. C'est pas seulement ça, la figue à la Marseille. Ouais, ouais. 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 Oui, c'est moi, merci beaucoup. Voilà Olivier, ouais, ok, Olivier, 14, Roméo Charlie, Tamelkis, 14 novembre, Victor Sage 49. Bonne soirée, bonne nuit, bon week-end et le prix de Santana, Olivier. Merci beaucoup, bye bye. Vous ne l'aimez pas celle-là? Oui, ben j'attendais que ça réponde. Alors justement, je profite pendant que je te tiens, pendant que je te cramponne. N'oublie pas de m'envoyer la première vidéo là d'hier. Voilà, que je puisse finaliser de mon côté. Sans ça, je pourrais pas finaliser ta vidéo. Hachi trois coups. Tu as le numéro de la vidéo de mis sur Messenger. Ok, bon, je vais voir ça de suite. Mais pour aujourd'hui, Rémi, tu vas avoir une super belle vidéo. Mais pour... Attends, on est vendredi. Le vendredi, tu fais pas de vidéo. Là, t'en as quand même fait une. Non, mais toi, t'es en mode vidéo aujourd'hui. La propagation qu'on a eue avec tout le cercle de QSO, l'OM, la 14. Ah oui, là je suis toujours en train de... Tu me vois pas avec la manivelle en train de tourner là sur le côté de la caméra là pour filmer? Oh quand même, là je suis sur mon pied de là en train avec la manivelle en train de tourner là. Non, je déconne, si là c'est toujours en train de filmer. Hein. Même sur le triple 5, le 38 over, 27.85, 27.95, il y a beaucoup de monde qui font la même chose qu'ils font sur le 625. Ça coupe, ça siffle, les bicyclettes, ça fait jouer de la musique, ça dit des mauvais mots, ça fait des porteurs et tout. Puis comme tu dis, hein, je crois que quand tu as une station, pas une station, mais quand tu as une fréquence qui est beaucoup achalandée, il y en a toujours qui sont un petit peu pas patients. Il y en a des gens qui c'est sont bon. Mal patients. C'est en cours. Des fois, tu lances appel, puis ils se sentent mis de côté. Puis là, ben, au lieu de continuer à persister pour embarquer sur la fréquence, ils se mettent à faire des portes. C'est en cours. Mais c'est un peu normal, on est pas les gens. Ouais, donc là, voilà, je suis sur le serveur, je vois que c'est en cours de chargement. Donc, je vais pas l'embêter pour le moment. Voilà, je me déconnecte. Voilà, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, là, tout à l'heure, dans pas longtemps, je serai en réunion. Hein. Donc là, je reste encore un petit peu, là, quelques minutes, là. Et pour tout te dire, là, dans quoi dans une heure.
allez, 1h20, 1h25, 1h, n'importe quoi, 1h10, je serai en réunion, donc j'aurai intérêt à m'échapper avant. Ah, 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 alors ok, attends, je retombe dessus. Alors, le siffleur, hein, c'est bon, ça va 5 minutes. Alors ok, attends, je retombe dessus. Qu'est-ce qui me grésille comme ça? J'ai un petit retour de grésillement qui m'agace un peu les oreilles. Alors attends, je retourne vite fait là-dessus. Je relâche le micro. Oui, ok, merci beaucoup Rémi. Il y a une station d'entendu à 2 ou 3 reprises là, qui s'est manifestée. C'est un peu petit là, de ce côté-ci, mais je vais retourner la partie pour le petit avril pour poursuivre 5 minutes. S'il vous plaît, là, je peux vous parler. 555 Hilton à Québec. Alors de son côté c'est fini, ok comme il a dit, mais tout n'est pas rendu là. Oui, en avant pour le département 41, et 19 pour la route en route. Et enfin, je retourne le micro pour M. Dutuavret avec le prénom s'il vous plaît, au Grand-Ville. Oui, merci. Bon, ben, je vais attendre. Oui, c'est 100% QSL 14 Romeo Charlie. Alexandre du département 41, Villeneuve, Bravo Charlie, sur le tour de micro. C'est noté, je pense, pour la prochaine station qui va rentrer dans le CSO. Juste un petit moment pour la Bretagne, je crois, ou la Belgique, la Bretagne. Alexandre, sur le tour de micro. Yeah.
champion, on dirait un accent suisse. Oui, mais sur vous deux. L'autre, il est foutu, hein. Ah, ça se comprend, hein. Tu sais, je vais dire une connerie, mais il y a un côté exotique. À voir le Québec comme ça, là, depuis ici, depuis chez nous. Le point qui suit du chaudron. Oui, on a des écouteurs, la fréquence est plus populaire, ça plus la fréquence, alors on a beaucoup d'écouteurs sur la fréquence. Oui, mais ici, Patrick, là, nous, on a reçu 30 cm de linge. Il faisait moins 16 degrés, et puis la température a commencé à monter. Là, il a tombé quand même 30 cm de linge. Aujourd'hui, une belle journée ensoleillée, moins 14 pour le Québec. Tu es fait, Patrick? C'est petit. Pas de problème, ça va te faire plaisir.
Entendu en direct. Il me semble que je l'ai entendu en direct. Bonjour, toutes les stations qui sont derrière la porte. Les stations francophones, 76-51 de l'ensemble du groupe Técala. Ça, c'est fait. Il y avait une couple de choses que je voulais parler sur la vidéo hier. Ah oui, pour le parc national. Oui, on est au courant, on est au courant de tout, puis je crois qu'Henri est au courant pour le parc national, mais c'est pas une chose qui m'attire vraiment. C'est pas une chose qui m'attire vraiment les médias. Je blaguais. Bon, je sais que tu l'as compris, hein. Je plaisantais. L'occasion était trop belle. Oh, je me suis dit, là, il y a droit. Je suis trois coups. Ah, moi je m'amuse comme un petit fou. Et puis c'est vrai que quand j'ai entendu dans une autre vidéo sur le parc de Oka, il y avait des naturistes et tout ça, j'ai fait une petite recherche sur Google. Oh, je me suis dit, non, fallait pas que j'entende ça. Fallait pas que j'entende ça, l'occasion est trop belle. Hachi. Oh, j'ai dû faire plusieurs coupures de vidéo. Hein. C'est juste là, il y a quelques minutes, là, il y avait une porteuse musicale là, qui passait. J'ai fait plusieurs coupures. Je vais avoir du nettoyage à faire encore dedans. C'est pour que ça puisse passer sur YouTube. Et oui, s'il y a de la musique dedans, au niveau de YouTube, eux, c'est pas compliqué, ils suppriment la vidéo. Voilà, donc j'ai intérêt à ce que ça soit relativement propre dedans. Je veux dire par là qu'il n'y ait pas de musique avec droit d'auteur, quoi. Voilà, c'est surtout ça, quoi. J'ai pas tout compris, mais globalement, si, parce que là, je suis en train de te perdre. Ouais, non, mais il y en a qui achètent du gros matériel exprès pour foutre le bordel. Ils vont acheter du gros matériel radio amateur, ils vont payer ça énormément cher, tout ça pour avoir le plaisir de faire des porteuses avec. C'est il y en a, ils vont pas bien dans leur tête, hein. Non, comment ça, c'est ça,
Est-ce que... Comment? J'ai pas compris. Là, j'ai l'impression que je suis en train de te perdre. Et du coup, j'ai énormément de mal à comprendre ce que tu me dis. Bon, attends, vu l'heure, le temps qu'après que je vide mes deux caméras, là, sur l'ordinateur et tout, là, je suis en train d'essayer de télécharger la vidéo, je vais voir ce que ça donne. Je vais la laisser un peu sur le serveur, parce que je sais pas, ça me paraît bizarre encore, là. Je sais pas, je me demande si la vidéo, elle est pas corrompue, ou je sais pas. Pour l'instant, je me pose pas mal de questions. Je vais la laisser là sur le serveur, je suis en train de télécharger quand même, malgré tout. Le temps de faire tout ça, et vu que là je suis en train de te perdre, je vais passer en QRT là maintenant pour ma part, pour me foutre au travail sur l'ordinateur. Donc je vais t'envoyer les bonnes 73-51 Gilles, la bonne continuité de QSO de ton côté. Comme je disais tout à l'heure, samedi, dimanche, je pourrai pas être en fréquence du tout. Je travaille en journée, donc demain matin, 5h15 debout. Voilà, je te laisse Gilles, merci pour le QSO et tout le monde que tu as. Ah oui, pour le monde, ben c'est pas compliqué. Tout à l'heure, je suis allé voir un peu ailleurs en fréquence, je suis allé sur le 555. Eh bien, il y a plus de monde sur le 600-625 que sur le 555. Ah, chi ! Allez, ça c'était le mot de la fin. Re-7351 Gilles, amuse-toi bien. Alors, oui, allez, je la vois sur le serveur, mais de la façon dont je la vois, ça fait bizarre. Attends, j'ai un bruit là en plus. Hein. Donc, attends, je regarde, ça vient juste de finir de se télécharger là sur l'ordinateur. Alors, voyons un petit peu ça, ce que ça me dit. On dirait qu'il y a... Je sais pas. On dirait... si chez toi, elle fonctionne bien, je vais attendre encore. Alors, oui, supprimer, voilà. Bon, je viens de la supprimer de mon ordinateur, hein, pas du serveur. J'attends encore sur le serveur là pour voir ce que ça donne. Mais je sais pas si la vidéo passe bien de ton côté et qu'elle passe pas bien du mien. Il y a encore une connerie qui s'est passée, mais je sais pas. Je te tiens au courant, Gilles, il n'y a pas de problème. En tout cas, pour la vidéo d'hier, j'ai commencé à la travailler un petit peu, là, juste un peu. J'ai plus qu'à rajouter ce morceau-là là, dedans pour la finaliser après. Donc ça, c'est, je le garde sous le coude là pour le moment. Et je crois qu'hier, il y en a déjà 2 heures hein, de vidéo. Hein. Rien qu'avec les 2 derniers morceaux, ça fait déjà 2 heures de vidéo, hein, je crois. Donc je te tiens au courant pour ce morceau-là. Et là, ouais, je vais me mettre au travail, dardard, je vais voir ça de suite. A plus Gilles, je te tiens informé, il n'y a pas de souci. Oh, ça a fait qu'une personne de plus à foutre le bazar sur le QSO. Plus on est de fous, plus on est de monde et plus on est de fous. Je plaisante. Alors, c'est vrai que par moments, c'était un peu compliqué. C'est vrai, surtout là, au début, là, avant que j'arrive, j'étais derrière la porte. Ah, j'ai entendu du monde derrière. Je te laisse avec la station qui vient de lancer appel. Ok, ça marche. Bye.